pas par où commencer avec ce truc. Tu sais pas comment le réparer ? Elle est où ma clé à cliquer? Jamais rien. Hey Dick, tout va bien mon pote? Hey Joe. On se fait plaisir, hein? J'ai que ça. Ah, ok. Ok, à plus Dick. Je collectionnais les chaussures. Dick, Dieu merci. Rikki, qu'est-ce qui se passe? Tu connais un certain Joshua Harper? Harp? Ouais, je le connais. Je me suis toujours méfié de ce fils de pute. Et il portait un bandana sur sa tête, comme s'il se prenait pour un putain de hipster, tu vois? Ouais, bah ton instinct t'avait pas trompé. Il a tiré dans le dos de Dan Lane, après avoir perdu aux cartes, et il s'est tiré. Oh l'enfoiré, où est-ce qu'il est? Une patrouille l'a vu partir vers le nord. Ils ont eu trop peur pour l'approcher. Je pense qu'il va rejoindre un groupe de drifters. J'ai vraiment besoin de ton aide sur ce coup. Ok, je m'en occupe. J'ai noté l'endroit où ils l'ont vu sur ta carte. Merci, Dick. J'ai des trucs sympas en stock aujourd'hui. Hey, Buzz. J'ai fini la nouvelle prothèse de Boozer, j'ai demandé à Eddie de le trouver et de me l'envoyer. Super Rikki. J'arrive tout de suite, Deacon, terminé. Rikki, Harp et ses hommes sont en route pour le Cancrik, apparemment. T'es sûr que tu peux gérer? À ton avis. Oh, je voulais juste vérifier. Terminé. C'est quoi ce merdier? Bon, allez, Harp. Tu vas pas faire de difficile, d'accord? Putain. Eh ben, allez-y, les gars. Si vous voulez faire le boulot à ma place, c'est pour moi qui vais vous arrêter. Tu l'as trouvé? Ouais! J'entends des coups de feu. Non, enfin, si, il y a une meute qui lui est tombée dessus avant moi. Sérieux? Merde. Bon, bah, ramène-moi son foulard. Les proches de Dan veulent une preuve de la mort d'Harper. Débutant! Tu l'as? Ouais, ok, bon, il risque d'être un peu taché, mais ça marche, pas de problème. J'ai touché! Il l'a tué! Patron de saloperie. C'est pas trop tôt. Saloperie. Je vais sortir de là. Voilà, c'est bon. Oh putain, ça va payer. Allez, maintenant, je retourne voir Rikki pour me faire verser mes crédits. Là, au milieu okay. De ce creux. Ouais. Ok, c'est bon. Je finis juste de la fixer. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok. Hé, hey, mec, vise un peu cette camelote. Rikki m'a fait ce joujou. C'était l'idée de Dickon. Ça a carrément de la gueule, Boozer. Hé, hey, je ressemble à un des putains de 3 mousquetaires. Regarde un Reaper. C'est ça. Hey, wow. Bah, c'est peut-être une idée à la con, hein, en fait. Peut-être. Ok. Un truc à acheter? Buzz. Je trouve jamais rien. Salut, Rikki. Voilà le bandana de Harp. Ah, c'est répugnant. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Merci, Dick. Je le dirai aux proches de Dan. Salut, Deacon. Buzz, tout va bien? Je peux te faire le plein, t'en as sûrement bien besoin. T'en vois de toutes les couleurs, toi, hein? Ok, d'accord. À la prochaine. Oh, Deacon, contente de te revoir. Blair, tout en beauté aujourd'hui, dis-moi. Le gars qui m'a vendu ça, on était content. Ok. Et tu cherches un truc en particulier ? Ok. Quoi que tu cherches, je l'ai en stock. Ah, ok. Reviens nous voir de temps en temps. Tout premier, hein. J'étais au boulot. C'était mon dernier jour, en fait. Je bossais dans un petit café à Farewell. Ils avaient déjà diffusé des salades. St. John! Vous êtes là? C'est O'Brien. Attendez. J'en ai ma claque de faire votre sale boulot. Vous avez du nouveau pour moi, oui ou non? Ouais. Je peux dire... oui, j'ai du neuf. Vous accouchez, oui? D'abord, j'ai besoin d'un dernier petit service. Vous avez écouté ce que je viens de dire? J'en ai fait bien assez. Encore une mission, ensuite je vous verrai en personne pour vous montrer ce que j'ai. C'est sans moi. Mon deuxième prénom. C'était Irène, non? Sarah, Irene Whitaker. C'est sur son formulaire d'admission. Une dernière mission. Promis, une mission. Je vous ai envoyé les coordonnées. Terminé. Salut. Salut. T'as l'air bien pressé. Ouais. Tu te souviens de ce crétin du Nero dont je t'ai parlé, O'Brien? Apparemment, il a du nouveau pour moi, mais je dois d'abord lui rendre un dernier service. Ouais. D'accord. Tu devrais venir avec moi. Tu crois? Non. Schizo m'a affecté à la ferme, faut nourrir tout le monde. Une mauvaise herbe après l'autre. Qu'il aille se faire foutre, je te redépose juste après. T'as pas envie de voir un hélicoptère? Je Je lui dirais que tu m'as forcé la main. Toujours aussi drôle, hein? Bon bah. Fermez l'Aqualake! Tu vois où c'est? Ouais, c'est au nord du tunnel Rogue, pas loin de la route de Waldo. Pourquoi on va là-bas? Un hélico du Nero sera sur place. Bref, va savoir pourquoi. Et O'Brien veut que je découvre ce qu'il fabrique. Donc c'est O'Brien. C'est qui? Patron? Maître? Non! Putain, Boozer! Tu sais bien ce qu'on fout ici. Moi je dis ça. C'est juste qu'on dirait qu'il me tient par les couilles. Non, tu te plantes là! Alors, tu tiens le coup? Pas trop mal. Je veux dire, j'en ai vu d'autres. Ça me gêne pas de bosser à la ferme, de désherber et tout ça. Ça me rappelle quand j'étais gosse. Mon oncle avait une ferme, près d'Adriane, à la frontière de Idaho. Je passais l'été à travailler dans les champs de betteraves. C'est sur sa motocross que j'ai appris à conduire. Fais gaffe, je vais finir par t'appeler Bill le fermier. Reste à proximité quand on sera arrivé. Et quoi qu'il arrive, reste caché. Ils ont la gâchette facile. Ok, j'ai pigé. Restez planqués, fermez ma gueule et pas nous faire buter. En tout cas, merci de m'avoir emmené, Dick. C'est bien, la route. Ouais. Je te suis. Ok, dispersez-vous et sécurisez le périmètre. Et pas de danger comme la dernière fois. Mais j'aurais cru en voir un jour. Bon. Maintenant, observe. D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage. Ensuite, leur petit génie, un chercheur ou un scientifique, descend et se met à fouiner. Quoi faire? J'en sais rien, de la science. Comment tu veux que je le sache? C'est toi qui les espionnes, après tout. Escouade au rapport. Ok, attends ici. Compris. C'est bon. Ok, chez moi. C'est quoi tout ça, Doc? Sérieux? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde? Oui. De la merde de mutants? Oui. Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part pour que vous puissiez ramasser du caca de mutants, c'est ça? Exactement. Ok, m'en dites pas plus. Note de terrain 2102. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4B révèle la présence de Claytonia perfoliata. C'est quoi ça? Communément appelée laitue des mineurs, merci de ne pas m'interrompre, ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis. Mais en quoi c'est important? En quoi c'est important? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous et leurs congénères, ils mangent des baies, des plantes. Sécurisez-moi le périmètre, allez! Écoutez-moi, je veux que ce périmètre soit totalement verrouillé, c'est compris? Ok, allez, au boulot. C'est quoi tout ça, Doc? Sérieux? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde? Ouais. De la merde de mutant. Oui. Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part pour que vous puissiez ramasser du caca de mutant. C'est ça? Exactement. Ok. M'en dites pas plus. Note de terrain 2102. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4B révèle la présence de Claytonia perfoliata. C'est quoi ça? Communément appelée laitue des mineurs, merci de ne pas m'interrompre, ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis. Mais en quoi c'est important? En quoi c'est important? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous. Merde, qui mange des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles, à peu près tout ce qu'un cerf mangerait. Ils sont omnivores comme nous, sauf que le restaurant est capable de digérer toutes sortes de stimulants. Ouais, ok. Et alors? C'est quoi tout ça, Doc? Sérieux? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde? Oui. De la merde de mutant? Oui. Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part, que vous puissiez ramasser du caca de mutant, c'est ça? Exactement. Ok, on dit pas plus. Note de terrain 2102. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4B révèle la présence de Claytonia perfoliata. C'est quoi ça? Communément appelée laitue des mineurs, merci de ne pas m'interrompre, ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis. Mais en quoi c'est important? En quoi c'est important? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous et leurs congénères, ils mangent... des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles, à peu près tout ce qu'un cerf mangerait. Ils sont omnivores, comme nous, sauf que leur estomac est capable de digérer toutes sortes de cellulose. Ouais, ok. Et alors? Et alors, ça veut dire qu'ils ne mourront pas de faim quand ils n'auront plus de nous à manger. Les mutants ne sont pas prêts de disparaître. Merde, c'est pas bon ça. C'est peu dire. Allez, j'ai fini. Ok. Retourne à la moto. T'as entendu ce qui se disait sur ma radio? Ouais, c'est sacrément tordu. Tout le pognon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants. Je te l'avais dit. Qui sait ce qu'ils trafiquent et pourquoi? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas? T'as essayé de les suivre? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes, vers le sud. Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher. Ces fils de pute, on dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets. Ouais. Et maintenant, on va où? C'est une bonne question. O'Brien, vous me recevez? À vous, O'Brien. Je suis là. Vous avez terminé? Ouais, c'est fait. Où on se retrouve? Je pensais que ce serait plus long. Je vous envoie les coordonnées, mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre. Terminé. Oh, je rêve, il croit que j'ai fait quoi, là, dehors? Eh, hey, vous avez raison sur un point. Ça a l'air d'être un connard de première. Ici. Il va stresser s'il voit que je suis venu accompagner. Ok, je surveillerai ta moto. J'ai vu assez de connards du Nero pour la journée. Ok, je reviens. O'Brien a dit qu'il avait du nouveau. Il connaissait son deuxième prénom, Irene. Elle peut pas être en vie. Mais lui, il est vivant. Alors pourquoi pas elle, hein? Vous arrêtiez de faire ça. Qu'est-ce que vous avez? Écoutez, je vais tout redire, mais c'est mal parti. J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'il conservait à l'époque où on archivait encore. Ok, continuez. Bref, Sarah Whitaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake. D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures après quoi... Ok, donc elle s'en est tirée. Le coup de couteau, elle a survécu. Oui, oui. D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie. Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie de Turemote. Donc elle est peut-être encore en vie. Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante. Non. Comment ça, non? Les mutants. Le camp a été infesté. Aucun survivant. Ah. Vous avez survécu. Et eux aussi. Écoutez-moi 2 minutes. Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez? L'autoroute 97 était, il reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants. Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento. Ils étaient des centaines et des centaines de milliers, on n'aurait rien pu faire. Ok, vous vous êtes barrés. Qui est parti avec vous? Du personnel du Nero, des fédéraux, des gens accrédités. Du personnel du Nero, des soldats, des types armés. Les gars qui étaient supposés protéger les civils. Il n'y a rien à faire. Ils sont bien trop forts, trop rapides. Dans ce cas, vous savez qu'on pouvait rien faire. Vous savez ce qui aurait été bien? D'en emmener quelques-uns avec vous. Vous auriez pu sauver quelques vies de plus. Aucune chance, on n'avait pas le temps, pas la place, d'accord? À l'arrivée de la horde, ils s'étaient retournés les uns contre les autres. C'est bon, je comprends. Je suis navré pour votre femme. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais vous devez comprendre. Si vous ne me l'aviez pas confiée cette nuit-là, elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin. Vous avez fait le bon choix. Si vous aviez décidé de rester, tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez mort aussi avec elle. Vous croyez que je le sais pas? O'Brien! Merci de lui avoir sauvé la vie cette nuit-là. Alors vous êtes désolé. C'est ça, O'Brien. Vous êtes désolé. Oh putain de bordel de merde. Je perds mon temps avec toute cette histoire. C'est pas vrai, Boozer. Boozer! Eh merde, Boozman, où est-ce que tu t'es encore fourré? Oh merde. Ok, Boozman, où est-ce que t'es passé? Tes traces de bottes, sûrement les siennes. Dick, t'es toujours là? C'est Rikki. Deacon St. John? Ouais, Rikki, je suis là. Quoi de neuf? Schizo te cherche. Il dit que Boozer s'est pas pointé au travail. Je m'inquiétais. Non, tout va bien. On devait régler quelques histoires. Dis à Schizo qu'on vient d'ici 1 heure. Ok. Oh, je suis presque prête pour aller réparer le transfo. Tu m'accompagnes toujours? Ouais. Ouais, c'est super. Tiens mon courant. Je sens déjà l'eau chaude. Je vais prendre une douche interminable. Ouais, d'accord, c'est cool. Écoute, Rikki, je dois y aller, hein? Ok, terminé. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Dick, par ici. Oh putain, Boozer, à quoi tu joues? J'ai voulu faire un brin de shopping dans le coin et je suis tombé sur des Reapers qui chassent des clébards. Tout doux, mon vieux. Tu vois, il est pas infecté. C'est juste un chien. Il tue des chiens qui sont même pas malades. Ça va aller. Non, on peut pas l'abandonner ici, Dick. Ce serait pas humain, on peut pas faire ça. Ok, Don, laisse-moi faire. Vraiment. Tu veux... Allez, mon grand. Voilà, tout doux, ça va aller. Voilà, sage. Putain de merde. Ça va aller. Voilà, tout va bien. Ça va aller, mon vieux. Repose en paix. prêt? Ça ouais, frangin. Je suis prêt. Descends! Putain de merde. Ça va? Ouais, je crois que c'était le dernier. Ah, t'as l'air déçu. C'est juste que ces fils de pute. Ouais, bon. Amène-toi, on se tire d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? On aurait dit que, que t'avais pété les plombs. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'avais besoin de me venger pour mon bras. Mais je pense que ça suffira jamais. Je n'avais pas fabriqué ce truc. Ce bras, je veux dire. Je sais pas où je serais. J'imagine que je serais. Laisse tomber, tu m'as compris. Et ça va aller? Ouais, faudra bien. C'est pas comme si on avait le choix, pas vrai? Ouais, allez, viens. Hey, voilà ta moto. Comment ça s'est passé? De quoi tu parles? Tu sais de quoi je parle, ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Boozer, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah? Hein? Où est ta régulière? La tienne, enfoiré! Oh hein? Oh ah oh! Calme mon frère. T'as eu assez? Où est ta régulière, Dick? Elle est morte, Boozer. Sarah est morte. Ouais. Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte. Alors que tu crois pas que tu l'as assez pleuré comme ça? Je crois... J'entends un putain de crochet du gauche, enfoiré. Ah. C'est le seul crochet qui me reste. Allez, mec. Je vais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Hé, hey, j'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à t'étaler 3 fois de suite. Oh, putain, c'est là. Où on va? On retourne au camp. Non, non, j'ai encore du boulot. Dépose-moi là-bas. C'est au nord de Sherman's camp. Ok. Elle est morte. Et ni toi ni personne n'auriez rien pu y faire. J'aurais dû être là. Qu'est-ce que ça aurait changé? Oublie ça, c'est fini. Joe, t'es là? Hey, Lost Lake, Schizo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il vient de se faire attaquer par... Hé, il est où ton pote? Il est pas venu travailler aujourd'hui. C'est quoi ce bordel? Tu veux bien la fermer, mais écoutez 2 secondes. Je l'emmenais sur le chantier, et on a été attaqué par des Reapers. Oh merde. Où ça? Pas loin du camp, Rogue. Faut prévenir Iron Mike. Carlos est en route, et il s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu crois que je me rabâche? Depuis des mois? Ouais, je lui dirai. On se dirige vers Tumalo. Boozer sera là d'ici quelques minutes. Ah, c'est vraiment génial, parce qu'il a déjà une demi-journée de travail en retard. Ta gueule, Schizo! Hé, Dick, le camp Rogue, il n'est pas légèrement à l'opposé de Tumalo? On a pris la route touristique! Connard. Foiré de Schizo. Allez les gars, continuez de bosser, lâchez rien. Pas de taf, pas de bouffe. Ok, c'est bon. C'est simple. Hey. Qu'on plante ces graines, parce que merci sans pour ça, le trajet. Crèvera de faim. Continuez comme ça. St. John pour Lost Lake, répondez. Dick, je t'entends. Mike, parfait. Écoute, Boozer et moi, on a eu un accrochage avec des Reapers. Et... Des Reapers? Bordel de Dieu, vous avez traversé Iron Ridge! Dick, je te l'avais dit! Écoute-moi, non, Mike, ils étaient ici, au camp Rogue. Au camp Rogue? Il y avait des Reapers au camp Rogue? T'es sûr que c'était des Reapers? Si je suis sûr. Putain, Mike, ils sont plutôt faciles à reconnaître. Ils sont balafrés de partout, se conduisent comme des tarés et tuent tout ce qui bouge. Ok, calme-toi. On doit parlementer avec Carlos. Schizo ira à Iron Butte demain. Il tirera toute cette histoire au clair. Ensuite, on pourra... T'envoies Schizo parlementer avec Carlos? Sérieux, Mike? Ne me dis pas comment gérer mon corps, Dick. Je te l'ai dit, mon traité tiendra bon. Terminé. Putain, si tu le dis, Mike, si tu le dis, Schizo a raison, tu finiras par faire tuer tout le monde. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Qu'est-ce qu'ils veulent, les mecs du Nero? Ils disparaissent en 2 ans et reviennent en tirant sur tout ce qui bouge. N'essayez pas de comprendre. Vous essaierez qu'à vous faire tuer. On connaît déjà la réponse. Je les ai observés en train de rôder dans ces bois qui croient connaître mieux que moi. petit carnet. Et pour quoi faire, à votre avis? Hein? Pour recueillir des infos. Pour voir combien de temps ils mettent à crever ou à mourir de faim. Ils essaient sûrement de calculer le moment pour les fédéraux de sortir de leur cachette et de reprendre ce pouvoir qui ne leur appartient pas. Les mecs sont de notre côté. Ils resteront dans leur coffre de pierre. Le monde ne nous appartient peut-être plus. Mais grâce au temps, il n'appartient pas aux fédéraux non plus. C'était Marco Blanc pour Radio Libre. Ne gommez pas les mensonges. Encore une fois, Cole, t'en as aucune idée. Les mutants sont du côté de personne. Le monde, il leur appartient déjà. Bien besoin. À l'entrée. Il est réglo. Ouvrez-lui. Salut Dick. Hey, il paraît que tu cherches ces fameux hélicos noirs, ceux du Nero. C'est vrai? Je crois que j'en ai vu un l'autre soir. Ah ouais? Eh ben t'es mal renseigné. J'en ai rien à carrer du Nero, ou de leurs hélicos. De rien du tout en fait. Oh, désolé. Vu ta réaction, on dirait pas pourtant. Laisse tomber. Hey, Dick. Fais gaffe à toi quand même. Oh, Deacon, contente de te revoir. Blair, comment tu vas? Oh, excellent choix. Ouais. Hey, Dick. Fais gaffe à toi, hein?